Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Hammer Watch accompagné de d'Ecrinox again. Donc on va se paumer à nouveau, hein. Ça va mon grand? Bah écoute, oui, je sais plus où fallait aller vu que ça fait assez longtemps. Moi non plus, mais je pense qu'il faut aller quelque part. Ça aide. Je suis content de vraiment pouvoir te servir à tout instant. Oh, c'était pas le Schmilblick où on cherchait. Hein? J'ai gagné quelque chose. T'as gagné un truc, bah non. Mais je peux pas le ramasser. Montre. C'est une popo jaune. Parce que moi je suis full. Ah bah nickel. Prends. Bah j'en ai pas. Viens chercher bonheur. Ah, il y a du pognon ici. Je suis peut-être dans le bon coin, hein. Parce qu'il y a une histoire de pognon. Tu viens là sur WAM là? Espèce de touriste chinois là, vas-y prends ça. Ah mais ça on l'a déjà fait. Bah visiblement non. T'as oublié le popo. Non, j'ai remarché dessus, ça a fait sortir une popo. Ok, bah alors c'est qu'on l'avait pas fini. Et il y avait des thunes qui traînaient en haut. Bon, je sais pas. Alors, moi je sens le truc où ça va être le premier fight, je vais mourir instant. Instant. Il y a un petit truc pour descendre, je sais pas s'il faut descendre ou monter. Ah ouais, tain, c'était ça, il fallait qu'on switch entre les étages, ça faisait mal aux cheveux. Ah, oh là là. Ça m'a l'air sympa ici. Ah bah on a tous les logos, bah alors. Ah bah j'ai descendu ce mur. Bah attends, viens, il y a un truc, il y a une madame. J'ai ouvert un truc là. Ouais, je sais, c'est la salle du boss, mais attends, viens, on va peut-être aller voir les différentes madames pour s'améliorer. Ouais. On avait pas fait ça. Bah, celle-là, je viens de l'ouvrir. Shield de... Ah oui, on peut shielder aussi. Ah, moi, je shield comment? Comment? Hein? Merde. J'ai vu ma popo. Je me déteste. Ah non, mon shield, il est naturel, c'est ça? C'est si, je suis de face, c'est ça? Ok, ok. Ok, faut que je pense les choses. Alors, je crois que déjà, il y en a une qui me permet de réduire le coût des marchands. Ça, c'est avec les pièces qu'on gagnait, là, les sortes de pièces jaunes. Ah oui, c'est des grosses pièces thunes. Oui, on en a... Ok. On en a quelques-unes. Et j'avais écrit quoi? J'avais pris quoi, moi? Le combo healing increase your, increases the healing from 4 to 6 per second. Ah, je soigne plus par seconde. Pas dégueu, je prends madame. Non, c'est tu te soignes plus vite si tu fais un combo, c'est-à-dire que t'as tué plein de joueurs et que t'es entouré d'une petite boule de pas dégueu. Boule. Pas et dégueu. Je vais m'améliorer mon grappin, mon armure et mon et j'ai pris quoi? Et le spool. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait un sac à pèves. Bon, bah on continue. L'idée du sac à pèves. Sac à pèves, ça continue. Ah oui, chez elle, j'avais tout acheté. D'accord. Oh, c'est trop bien, j'ai un grappin. Regarde, j'ai ma deuxième technique. Fais voir. GG. Tu l'as acheté chez qui? Chez la dame en bas, mais après ça dépend du perso que t'as. Ah oui, moi il faudrait que je lui achète le healing, c'est ça? Ouais, ça serait mon gros... le healing, parce que ça permet de soigner. C'est ta deuxième technique, c'est le je crois X, que c'est ça. Non, c'est... X? Ah oui. Oui, X, et ça soigne tes alliés aux alentours. Et je dois rester appuyé dessus, là, c'est ça? Et là, ça te oui, heal, en fait. Soigne. Mais là, comme je suis pas blessé, bah ça me soigne pas. Ah, par contre, ce qui est génial, c'est que du coup, ça me consomme, mais genre, zéro mana. Oui, là, il y a personne à soigner, ça me coûte zéro. Ouais. Formidable. Eh bien, allons nous faire casser la bouche. Ouais, surtout que je crois qu'il est violent. Oh, le petit combo, là. Bonjour, madame. Vous êtes trop cher, madame. Imagine, lui, hein. Fizz, up, madame, machin. Ça, je peux payer à première vue, mais pour moi, c'est cher. C'est cher. Qu'est-ce que... Oh. Ouais, je laisse faire des kills, hein. Je pense que tu fais ça super bien. Ouais, je fais des kills. On fait les kills, on fait les kills. Ah oui, ce boss. Vraiment, les petits bâtards qui utilisent là, ça se fait pas trop. Hein. Je trouve ça pas très viable. Pas très vegan cette histoire, hein. Bah ouais, pas trop, hein. Enfin, après moi j'aime bien la viande donc je m'en fous mais... Les esquives de dagues que je leur fais depuis tout à l'heure. Ouf, je suis pas frais, je suis pas frais. Artoni, je suis pas frais. Non. Oula, oula, ça tourne mal, ça tourne mal. On dirait un mauvais prank. J'ai l'impression qu'on a des trois petits problèmes. C'est une illusion d'optique. Je pense que vraiment, t'es pas au courant, mais je pense que c'est vraiment une illusion. Ah, je pense qu'on a gagné, mais tu vois, mais vraiment de la chance. Je pense qu'on a gagné, surtout parce qu'on est immortel. Voilà,
j'ai fini le boss. Je suis un champion ou pas? En même temps, voleur, pour battre ce genre de boss, toi tu peux te protéger grâce à Jeku. Ah, vas-y, là tu me soignais. Oh, c'était cool. Bah oui, mais c'est fini, je peux plus te soigner. T'as plus de mana, c'est pas très gentil ça. Vas-y, on prend la clé de vie, même si ça sert à rien. C'est très important. Vachement important. En plus, t'oublies de l'argent. Merde. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. T'as chopé ta potion. Dommage, je fais la même bavure tout à l'heure. Oh là, ça va être chiant. Spweep, 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 spweep. On est des héros. Les yeux, ça peut être énervant. De quoi? Les yeux, c'est très énervant ici. Les yeux, c'est très énervant, d'accord. Tu vas bientôt les découvrir, les grands amis de l'homme. Je sais pas, je savais qu'il y avait les gargouilles qui étaient très chiantes, ça j'ai retenu. Hein. Ah, les gargouilles, plus jamais je n'oublierai. Bah là, tu vas rencontrer les yeux. Légèrement plus de vie que moi. Ouais, c'est normal, j'ai payé level 3 de ma vie. Ah, c'était bien, j'ai pris des dégâts, c'était trop cool. J'ai kiffé. Ouais. Je peux reprendre? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyez cool. C'était cool. Il a fait un petit truc rose, il s'est dit, ouais, vas-y, ça va être fun. Quand t'as les plus de mon œil. Ils sont cool, les yeux. Pourquoi tu dis qu'ils sont pas cool? Ça, c'est les gentils. D'accord, parce qu'il y en a des moins sympas. D'accord. Ouais, il y en a des moins sympas. Je sais plus si c'était des yeux ou des petites sphères de lumière qui ont l'air très cool au début. Ah, mais... ils se tapaient pas un peu par hasard les trucs? Vous savez pour lesquels? D'accord. Je demandais. Oh, il y a un coffre là derrière. Non, je suis en train de faire du bif, attends. Il est en train de faire... Je fais droit la thune, frère. Ouh, j'ai révélé un passage, il faut le trouver là. Bah, surtout qu'il y a un coffre là. Sur, c'est un passage qui mène à ce coffre. Ah bah je l'ai trouvé. Voilà. Voilà, salut. C'est un point de sauvegarde. Vraiment, je te dis très clairement, je suis triste parce que j'ai révélé un passage et en fait... Bah si, c'est celui du haut. Oui, c'était la suite, mais moi je voulais pas révéler la suite, je voulais révéler un easter egg, tu vois, un truc intéressant. Ah. Moi, révéler des yeux, quoi. Ça m'intéresse pas. Alors, j'ai croisé d'autres types d'yeux, mais ils avaient l'air sympas aussi. Laisse-moi un peu de pognon là, salaud de communiste. Oh, mais ça se partage, j'arrive pas à payer mon pognon après. Ah, comment on ouvre ça? Partage équitablement. Mais on a toujours pas eu ce coffre là. Ça me rend malade, ça me rend fou. On a rien pour ouvrir cette porte aussi? Si, j'en ai chopé quelque chose. T'as chopé une bronze key, c'est ça? Oh, une oui. Copper key. Yes. Bah non, copper c'est cuivre. Ah, parce que c'est pas une cuivre, c'est une bronze key, c'est ça? Ouais, une clé de bronze. Il me donne accès à une clé d'argent. Et grâce à elle, je vais avoir. Il me donne accès à une clé d'or. Il me donne accès à une clé en platine. Ce qui te donne accès à une clé en plastique. Grâce à ça, je peux avoir les 5 cartes d'Exodia le module invoqué. Parfait. Incroyable. Refait. Ah, j'ai des petites épées. Un bouton, je crois que ça va nous emmener très loin. Ouais. Quelque chose s'est passé. J'ai ouvert ton coffre. Bah, va l'ouvrir, vas-y, je t'en prie. Okay, je suis en train de tabasser des yeux, c'est pour ça. Je tabasse des yeux? Ouais, ouais. T'as demandé à leur propriétaire? Bah, non, ils avaient l'air d'accord. J'ai retrouvé une autre bronze key. Si jamais besoin, s'en fait sentir, ou ressentir, ou pressentir. Ouh, moi j'ai trouvé gros diamant. Toi avoir trouvé gros diamant, ça va faire plaisir énormément. Oui, surtout que les gros diamants donnaient de l'argent. Hop là! Hop là! Petite esquive! Oh là, ils sont vénères! Oh. Hop là! Ouais, dès que j'ai trouvé le chemin, j'essaye d'autres gens. Tellement je vais vite! Excuse-moi. C'est quoi? C'est un truc magique ça? Ah oui, c'est méchant ça! Ah, c'était pas gentil! Ouh! Ah, je prends des dégâts de feu. Ah, tu vois, je prends le temps de révéler des passages et je viens de trouver un autre objet intéressant. Moi aussi, je peux révéler des passages, c'est juste que je voulais pas te cramer une clé, mais si tu veux, je trouve... J'ai une clé, là, je peux ouvrir deux accès. Ah, par contre, il nous faut un escalier. Ah, il va falloir que tu le trouves, l'escalier. Trouve l'escalier. J'ai foi en toi. Il faut faire apparaître un truc pour pouvoir aller... Toujours cru en toi.
Je n'ai jamais douté. Sauf hier, demain et après-demain. Sauf chaque jour que Dieu fait. Alors en fait, ce que je trouve le plus chiant, c'est pas les yeux, c'est les petites loupiotes là qui te crament. Oui, bah, c'est ça, c'est... En fait, c'est ce que je voulais te dire, c'était ces loupiotes là. Je croyais que c'était des yeux qui balançaient des trucs, mais en fait, non, c'est ces loupiotes. Non, c'est toi qui balances des trucs. Laisse-moi le pognon. J'aime le pognon. Partager. T'en fous, tu sais que j'aime le pognon. Donnez-moi le pognon. Oh là, c'est trop bien ton lancer de dague, hein, GG. Ouais, j'ai trouvé une autre clé. Je suis trop balèze. Bah, moi, j'ai trouvé une clé d'or. Tu vas faire quoi maintenant? Je trouvais une autre clé quand même. Non, non, c'est bien. Ah, mais d'habitude, je trouve jamais rien. Quand même beau, pour une fois j'ai trouvé des trucs. Par contre, prends pas compte. Les... Ah, j'ai trouvé un bouton aussi. J'annonce hein. Faut que je fasse une combo, faut que je fasse une combo, faut que je fasse une combo, faut que je fasse une... Je suis empoisonné. Adieu. J'ai trouvé une grosse pièce. Alors là tu vas faire quoi? Alors là tu vas faire quoi? Clairement, moi, qu'est-ce que tu vas faire? Bah moi je vais appeler le FBI. Oh, je suis dégoûté, ça me soigne même pas du feu. Ma vie est nulle. Ils m'ont enculé. Vraiment, c'était violent. Moi, j'ai pas aimé. Ah, il a trouvé mon bouton. Je suis dégoûté. Oh, il laisse la thune derrière lui. Oh, bah, quel fumier. Non, mais t'avais laissé de la thune dans un couloir. Une pièce d'argent, tu te rends pas compte. T'es fou, quoi. T'es fou. Non, mais tu sais qu'il y a des petits Africains, ils meurent de faim. Des petits Africains, ils ont pas de clé d'or. Ouais, mais un mec super sympa, je laisse les mêmes mourir. Oh bah c'est cool. Non, que c'est bien la première fois. Alors, je me souviens du boss de ce niveau et je me souviens qu'il était pas très gentil. Mais c'est l'illusion. Il a sûrement changé entre deux. C'est peut-être non, plus bah, le même généralement boss. Il les a rendus plus forts qu'avant les boss. Wow, j'ai du rollback. Genre tes monstres ils veulent pas venir mourir quoi. Voilà, ça c'est parfait ça. Ok, comment je zoupe par là? On va aller par... C'est sympa là. Ouf. Il y a beaucoup de feu ici, hein. Oh putain, il y a des troupes. Ah, oh, j'avais oublié ce... Saloperie. Je suis mort. Ah bah je suis mort aussi, attends, je reviens. Sauf que je sais plus du tout par où on était allé. Non, c'est de l'autre côté. Hein. Par là. T'avais trouvé quoi de beau dans le coffre? Tout à l'heure, il y avait un diamant. Cool. C'est quoi? C'est des thunes? Ah bah c'est de la thune, mais en grosse quantité. Regarde ton argent. 3002. J'avoue, on est pas mal. Ah, c'est des petits cristaux de mana ici. Hein. J'aurais dû penser de faire un backdash. Ah là là, regardez. Un bon vieux Diablo 1. Je navigue avec la carte ouverte. Un bon vieux cool. Diablo où tu navigues en perpétuellement avec la... Putain, je me suis pris ça, vraiment. J'ai vraiment osé faire ça. Oh, je me rends rien comme vie, c'est horrible. Ah, il y a une porte en copper ici. Mais on peut la contourner ou pas? Ah oui, on peut la contourner. Ok, nice. Donc moi, je t'ai allé par où à la base? Oh, je l'ai niqué. Vendor coin, GG. 10 balles où je remballe. On voit pas la petite porte? Non, non, on ouvre pas cette porte, mec. On n'a pas besoin de l'ouvrir à première vue. Si? Si, si, on aura peut-être besoin de l'ouvrir, ce raccourci. Va vite sur le truc de sauvegarde. Je suis en train de me dire, on est allé par là, là, intégralement, là? Bah, oui. Et moi, je suis mort dans le coin. Je suis mort où? Je sais même plus. Moi non plus, je sais pas où t'es mort. Bah, c'est bizarre. Genre, je suis allé... Ok. Je suis genre allé ultra loin et en fait, non. Oh merde, là, il y a de la petite sphère en masse. Ça commence à être chiant, là. Il faut que j'attende pour avoir un dash. Ok. Bah, t'es pas obligé. Moi, j'ai marché, ça s'est très bien passé. Bito. C'est vrai. J'ai perdu que 4 points de vie environ. J'ai pas assez de boost. Ma vie est nulle. Je suis mort par ici, mais sauf que je venais de l'autre côté. Comment j'ai fait mon coup? Comment j'ai fait mon coup, moi? Voilà, on a pris le checkpoint.
Ouais, des petites merdes, ça me va des petites merdes. Il commence à y avoir les petits mages là, ça va être sympa ça. Allez, plus de petites merdes là, ramenez-vous, voilà. Voilà, c'est ça qu'il me fallait. Ah, je suis mort. Non. J'avais confiance en toi, Henri. Sauf que moi, c'est Thierry. Désolé. C'est vrai ? C'est un mage. Ça fait quoi, les mages ? Tu fais des trucs nuls. Tu téléportes et t'envoies des petites bouboules. Mais c'est nul. Crève. Alors, si t'aimes pas les mages, je pense que tu vas apprécier le boss. Non, il me dérange pas le mage, hein. Il est faible. Ce qui est faible ne me dérange point. Vas-y, prends la clé. J'ai confiance en toi. Je suis tombé. Allez, tuer la plante, c'était le plus dangereux. Yes. C'est bon, j'ai pris la clé. Et je vais tuer ta plante. Parfait. C'est un familier. Ma clé d'or. Tu as révélé un secret, mais nous ne savons pas lequel. Il y a encore une plante là. Ah mais non, je prends des dégâts de feu. Couillon. Con va. Certains disent même. Faut être soigné là. Je suis parti un peu loin. Je suis tellement de rollback, mon petit pote. Tu savais comment c'est horrible. Aïe, ouille, aïe, aïe, ouille, ouille, aïe. Tu les as achetés où tes dégâts de feu? Bah, je les avais pris sur le Jean-Claude, mais bon, je pense que j'ai tellement de rôles de rôles, ça commence à être compliqué. J'espère que t'as bien fait l'amour à tous les murs pour voir s'il n'y avait pas un mur invisible à travers lequel on pouvait passer, bien sûr. Ça se voit normalement quand t'as un mur invisible, t'as un. Ça se voit normalement. Oh là 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 là. Ouais, t'as les yeux, je te dis. Ouais, il m'a rempli, fait mort contre deux tiers ce yeux. Oh, tu me déçois. Oh, là, je suis choqué. En plus. Il y a une plante. Il y a une oui, plante, bah attends, bah, tu te places dans un endroit où la plante peut pas t'atteindre. Genre là où je suis, la plante peut pas t'atteindre et t'es yande. Vas-y, je rush la plante. Vas-y, rush la plante. Oh, elle est un peu loin. Assez tendu pour la rush là. Hein. Je vais la voir. Non, elle est pas là. Elle est grave loin. Ah, je vais presque l'avoir. Oh, ils m'ont enculé. Encore mort, il y a deux pommes en haut, tu t'en serviras. Ah, quand on meurt, on régénère avec toute la vie, donc. Ouais, mais si jamais tu reprends du deg. Tu vas voir qu'en fait, elle était quand même pas très proche là pendant un temps. Elle est où? Elle est où cette connasse en fait? Elle est grave loin, elle est juste en haut de moi là. Sauf qu'il faut faire tout un tour, tout un labyrinthe. Ah, on peut pas accéder autrement? Ah non, faut faire tout un labyrinthe, c'est pour ça que je suis mort. D'accord, gros fun. Ah bah, gros fun incoming. Là c'est le côté, c'est ce que tu vas. Les placements stratégiques. Pourquoi t'étais en train de te faire agresser par les pics, c'était moi. Comment ça? Bah, il y avait plein de flèches qui te fonçaient dessus. Oui, tout à fait. Ah, c'est moi qui marchais sur les trucs. Ah non, mais on était deux, je te rassure. Ah, ok. Je me suis juste fait rec. Ils m'ont attaqué sur le truc et malheureusement... Ah, mais t'adores laisser du pognon derrière, hein. C'est vraiment ta passion. En fait, c'est parce que j'ai pas le temps de le ramasser. Je pourrais passer par là, il faudrait une clé. Sinon, je passe par là. Mais merde, je me trompe de tout, je suis un blaireau. Voilà, si je meurs là, ça sera bien fait pour moi, parce que je suis un blaireau. Bon, le sort de soin, faut vraiment que je l'améliore. J'ai trop tardé à le prendre, mais il fait trop la diff en fait.
il fait vraiment trop la différence. Il y a un personnage qui soigne aussi, c'est le prêtre. Ah, il doit trop bien soigner d'ailleurs. Il envoie un petit laser et tout qui soigne, c'est grâce à lui. Et je crois que le laser il fait des dégâts aux ennemis en plus. L'heure d'aller combattre cette plante. Ma seule chance. Vite. Elle doit mourir. Elle doit mourir maintenant. Je suis mort juste avant de la gâcher. Ah non, elle est morte. Cool. C'est vraiment long. Ok, je le vis bien. Il faut une clé d'argent pour déverrouiller ça. Allez, c'est déverrouillé. Bonjour madame, vous vendez quoi? Des potions. Ah non, c'est la personne qui incrise ma capacité, oui, mon move speed, mon mana, tout ça. Ah, bah je paye 2000 balles pour avoir toujours plus de vie parce que moi je suis un dingue. Et alors qu'est-ce que tu vas faire? Mana pool, là. Du coup, vu que je suis un peu mâche, ça pourrait être intéressant aussi d'améliorer un peu mon mana pool. Allez. Oui, c'est vrai que pour tout ce qui est dash, pour faire des ennemis... C'est pas trop pour ça, c'est surtout pour tout le heal, quoi, parce que ça dévore le heal, enfin, ça dévore ma capacité de mana monstrueuse, quoi. Par contre, le speed, hein, je suis toujours en vaut de l'espace, hein, ça a toujours pas changé, j'annonce. En vrai, toi, ce personnage... Ah, mais merde, je suis con, je vais go encore de tout, je vais crever comme ça, parce que je suis qu'un blaireau. Et si tu te heal, t'as pas un moyen de survivre? Mais si, je vais me healer bien sûr, c'est pas un problème, en vrai. D'ailleurs, ça serait bien que tu t'arrêtes un instant pour que je puisse te healer. Parce qu'il te manque un point de vie. Voilà. Merci. Tu es tout frais. J'ai plus de mana, hein. Je suis désolé, vraiment. En fait, il me faudrait presque de la régénération de mana à ce niveau-là, plus qu'une quantité de mana. Ah, il laisse encore du fric derrière lui, je le déteste. J'ai pas eu le temps d'y aller. Je te déteste. Mais attends, en plus, arrête de lui acheter, il y a un coin machin, attends, bouge pas, je le prends. C'est trop tard. Oh, mais il est chiant. Voilà. J'ouvre une autre porte. T'as vu comment je vais un tiers ce point de sauvegarde. Voilà, je suis un monstre du gaming, les gens disent. Ils sont casse-couilles là, c'était les porteurs. Arrêtez. Non, mais les potions, je sais pas, ça me branche pas, ça me fait peur les potions. Non, mais ça les potions, ça coûte cher et ça. Ouais, ça a l'air sombre et obscur cette histoire. Non, les potions, c'est utile, c'était pas en magie infinie. Oh, en vie infinie, mais. Ok. Bon, on est pas trop mal. Que te dit ta map, les golas? Elle me dit par là. D'accord. Allons-y. C'est quoi la mienne? Elle me dit la même chose. Oh putain. Tu t'es fait tuer? Par les flèches. Mais non. C'est possible de mourir des flèches comme ça, sans ennemis, sans rien? Bah quand t'as 4 points de vie, ouais. Oh le touriste, j'hallucine. Non. J'ai aucun bouclier. Il y avait un marchand par là, je crois. Ouais, pourquoi je me dis je crois alors que finalement je peux utiliser ma map, voilà, là il reste 3 conneries. Je vais les prendre, tiens là-bas il y a du mana, je vais le piquer. Je suis un dingue, j'en ai besoin. Hop. Avec une magie, mais de ouf. Hein. Enfin, une musique de ouf dans ce jeu, hein, quand même. Hein. Genre vraiment épique. Hein. Ah, toujours. Hein. Toujours plus épique. Il y avait un endroit qui était intéressant tout à l'heure sur lequel on n'avait pas pu aller. Ça se passe. Ah, c'est de ce côté-là maintenant. Où ça? Follow me. Par là? Non. Par là? Non. Par là? Alors là, faut le suivre à la map. Hein. Le mec va beaucoup trop vite. Hein. Il a le Need for Speed en lui. Voilà. Voilà. Ouh, ça a l'air trop cool. Maintenant, faut savoir, on venait de quel escalier? On venait de celui-là ou d'un autre? Non, on venait de là. Normalement. On venait de là? Je crois bien. Hein. C'est sûr qu'on venait pas de celui-là et que t'as ouvert justement le passage? Pour moi, c'est qu'on venait de l'autre et...
pyramide. Ah oui, parce qu'on avait, enfin, on avait le marchand, on avait un marchand juste à côté quand on a pop. Ouais, on a commencé ici, donc là, là c'est là où. T'es sûr qu'on a même pas commencé plus haut? Parce qu'on était vraiment à côté d'un marchand quand on a pop. Hein. Ah bon, bah alors ça veut dire que. C'est peut-être celle qui est fermée derrière nous là. Je sais pas, on vient d'un. Ah, ou encore plus haut? Ah non, mais cherche pas, c'est la meuf encore plus haut. À tous les coups, il y a une porte à côté d'elle. Au pire, on verra, on va en descendre. Si, si, c'était la meuf des potions. Si, si. Ok. C'était la meuf des potions, c'était tout en haut. Allez, allons visiter. Bon, voilà, wow. Tu vois, ça c'était très bien. Ah, y a un truc là. Ah, moi j'ai trouvé la salle du boss. Formidable. Enfin, un boîtier pour aller au boss. Tu sais quoi, on va redescendre un coup, reviens. Fais gaffe à la petite boule. Désolé, je ne peux résister à l'appel du pognon. Ah bah viens, tu te soigneras après, viens. On en retourne à cet étage juste après, c'est... Il y a encore plus de pognon. Merde. Là où on va aller. J'arrive. Pas chier. Je suis là. Tout simplement. Donc l'autre étage. Toujours plus d'étages. C'est le même étage, mais c'est bon. Juste à un autre endroit. Impossible dans ce jeu de faire un épisode par étage. Impossible. C'est impossible. Avec tous les allers-retours qu'on fait sur tous les étages du monde, là on fait quoi d'autre? Et bah là du coup on a fait la truc pour ouvrir la... C'était bien. On a fait un des verrous du boss. Ok. Et on s'est fait de l'argent. Évidemment. C'était du fric facile en plus. Bon bah écoute, chacun ses yeux hein. À chacun. On va nettoyer deux fois plus vite comme ça et puis ça sera bien. Moi j'ai aussi des petits mages, quand même très sympa. Ah, et j'ai vu une madame j'ai vu un panneau indiquant une madame attaque. J'ai tellement pas de mana, c'est horrible. C'est horrible, c'est laid, c'est moche. Je ne trouve pas un œil vénère. Ah oui, moi aussi là, un gros. Mais j'ai l'impression qu'en fait c'est un œil qui fait popper d'autres œils là. Toi t'as trouvé un spawn d'œil, moi j'ai trouvé un spawn d'œil à côté d'un général œil qui booste tous les yeux. D'accord. Ah oui, comme les bannières là, les squelettes bannières là. Oui, et ben là, un bonhomme œil qui booste absolument tous les yeux des alentours. Plus. En gros, je viens de trouver un puits qui fait spawner des petites bouboules lumineuses. Mais t'as l'esquive. Allez. Ah, par contre, ah oui, il explose, d'accord. Bon, j'ai pas encore appris le pattern de ce machin, très bizarre. Vite, la plante, elle va crever, elle me saoule. C'est bon, je vais régène normalement. Ok. Alors j'ai une porte de cuve pour l'instant, mais je vais pas l'ouvrir. Peut-être qu'un jour on attendra le moins 100% dans les dés, madame. Wow, je vais tellement vite. C'est fou. Hein. Bah, le bouclier de la combo, c'est quand même fou hein, cette histoire. Va tellement vite, c'est tellement pratique. J'avoue que c'est pratique. Ah, je crois que j'ai trouvé. Ce serait pas un œil genre verdâtre avec une bouche blanche? Ouais, je crois que j'ai trouvé. Et je crois que j'ai trouvé le tien parce qu'il est endommagé. Oui, il est endommagé. C'était le mien. Étude là. Bon, bah, je vais aller lui casser les dents. Hein. C'est ça, me brancher. Ok, je savais pas par contre qu'il faisait spawn aussi des mecs. Hein. Parce que ça, c'est une petite particularité. Ça fait spawn des mecs aussi. C'est cool, écoute, non? C'est un style, c'est un swag, hein. Je t'avoue, c'est vraiment un swag. Mais il en fait popper de trop, quoi! C'est quoi cette histoire là? Oh, c'est infâme! Wow! Et pourquoi tu m'as fait popper là? Mais putain. Il était un casse-couille. Ça avait l'air sympa, non? Mais ça avait l'air sympa, rien du tout, et tu me saoules. Le pire rock du monde, hein. Je suis un voleur, c'est pour ça. Mais vraiment le rock, on ne voudrait pas avoir dans un roguelike. Un roguelike. Mon français dans le texte. Oh. Voilà. T'es pas obligé d'ouvrir la porte de bronze. Hein. Et si je l'ouvre, tu vas faire quoi? Bah, ça sera caché une clé de bronze. Parfait. Tu viens de le faire? Non, je l'ai pas fait. J'essaye de ne pas le faire, mais de ramasser tout l'argent à côté. C'est bon, je l'ai pas fait. Bah, GG. Et j'ai eu tout le pognon, même le pognon que tu laisses traîner. Je vais aller détruire la plante qui est énervante.
Oh, je l'ai pas vu. Fille chiante. Je vais le défoncer. Hein. Je vais le défoncer. Hein. Je vais lui ouvrir sa race en 4. Hein. Yu. Yu, ce con. Je l'ai laissé par là. Quel truc? On va l'avoir. Le général Nonoï. Nonoï. C'est bon. Et en plus, ah ouais, d'accord. Il avait un gold coin avec lui. Ça valait le coup. Bronze Kai. T'as utilisé bronze, deux bronze Kai ou... Ah non, t'en as trouvé deux d'un coup. J'en ai gagné une. Ok. Ok, donc là il y a un marchand d'armes par ici, c'est pas ce qui m'intéresse tout de suite. Oh là là, les rollback for life! Wouah! Oh! Pour ça, je prends pas beaucoup de dégâts en vrai. Donc là, oui. Ok. Il tire un œil. Créature tellement forte dans Donjons et Dragons en vrai. Touk 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 touk. Allez, tout le pognon. Non, des monstres! Allez, je te rejoins parce qu'on a essayé de parler depuis trop longtemps. Bon, bah, vas-y, hein. Balade-toi, je prends aucune save machin. TKT. Quoi? Ah oui, il y a une merde. Oh, la plante. Où est-elle? Oh, un puits à la con. Oh, les feux follets. Merde. Ils m'ont mis le feu là. Oh, ce que je prends comme dégâts. Clé de bronze. Trouver une nouvelle clé de bronze, monsieur. C'est vrai, moi aussi. Qui pourrait déverrouiller un autre raccourci. Un raccourci entre toi et moi, par exemple. Mais tu peux faire le tour. Bon. Ah, le feignant. Genre, moi, j'ai pas le droit d'utiliser pour des raccourcis. Et là, monsieur... Waouh. Il est beau, le respect de son prochain. Ah, est-ce que je peux sauter par-dessus avec un dash? Vas-y, essaye. Comment ça, j'essaye? Non, on peut pas, quoi. Est-ce que je peux... Non, je peux pas la prendre non plus. Ah, reste à côté de moi, reste à côté de moi. Hop. Voilà, vas-y, j'ai rien de plus. J'ai plus de mana. Faudra attendre un peu. Vas-y, je te laisse gérer le mage, tu le gères super bien. On a pas de clé d'or? Je déteste. Non. Bon, ça se fait qu'on a pas de clé d'or. Elle est justement de l'autre côté, de là où tu voulais sauter. Écoute, moi je vais te laisser gérer le match. Je vais gérer le matchmaking, ok. Matchmaking terminé. Oh, l'endroit bien. Tu te barres, j'ai pas le temps de finir de te soigner, va bien mourir. Ok. Là, je suis mort. Voilà, t'es content? T'es heureux? Franchement, ouais, ça me fait plaisir. En vrai, je suis bien content. Surtout que tu vas apparaître bien loin. Bah, du coup, je vais passer par un autre endroit. Pas le temps de me heal. Et en plus dans mon autre endroit il y a une coin et tout. Okay. Petite poutre. Ça c'est des blés. Ok, c'est bon. Ça c'est plutôt bon. L'œil. L'œil et le mage. Hop. Merde. Oh, notre général. Non, mais c'est bon, ouais, foutez-moi la paix aussi à un moment donné. Hein. La paix et guérison sur votre peuple. Hein. Je veux dire... Bon, heureusement, vous allez beaucoup plus vite que votre général, ou presque. Oh.
En fait, les seuls moments où on joue ensemble, c'est quand il y a un boss. Ouais, bah c'est ça. En même temps, je suis au même endroit depuis tout à l'heure. Hein. J'étais en train de taper un œil là. On ouvre la map. Du coup, on est tellement loin là. Ah non, ça va. Ça va. En vrai, ça va. Cela voudrait-il dire que j'ai commencé à te rejoindre? Ah, il y a une plante. En première vue, tu t'es fait tuer d'ailleurs par cette dernière. C'était assez stylé. Ouais, on va dire ça comme ça. Il y a plein de pièces sur cet endroit, ça me fait mal au cœur tous ces pics. Il me fonce dessus violemment. Allez, je vais aller boss, par la il est par là, le général. Yes! Il m'a pas vu? Bon bah je vais d'abord claquer les autres qui me poursuivent alors. Si tu veux une bonne nouvelle, je me suis quasiment fait la plante. Je sais pas si elle est morte. C'était bien trop. Ok. Oh. C'est vraiment vu. Allez, encore. Alors maintenant que vous êtes plus boosté, vous faites comment? Hein? 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 Faites plus les malins, hein? Allez. Comment ils baissent leurs yeux d'un coup? Us. Oh, j'ai trop de vie quoi. Il est ça. Ça prend un million d'années pour me heal. Je sais. On sait pas. C'est un bug visuel. T'as pas une clé en or là pour ouvrir hein? Non, pas encore. T'as pas deux clés en or pour ouvrir Non? Non, pas encore. T'es pas très conciliant comme pote, hein. Vraiment pas. Ouais. Franchement, t'es pas très arrangeant. Hein. J'ai pas le droit d'utiliser les clés. T'en as même pas une à dépanner. Je suis sûr que t'en as une en plus. Je crois qu'elles sont un DLC. Elles sont DLC. Toutes les clés à 4€. Ah, je crois que t'es gentil, hein. J'avais entendu parler du Season Pass à 40. Ah oui, le Season Pass avec 3 clés. Season Pass 3 clés. Puis la version 2 du jeu. Puis la version 2 du jeu, d'accord. Oui, ils ont sorti un deuxième opus. Ah, hop, j'ai trouvé un Vendor Coin. Hop, j'ai trouvé une bonze key. Allez, je suis un monstre. Tu sais que je suis un monstre. Ah mais c'est un puits. C'est un puits à saloperie ça. Ah oh, j'ai mis trop de temps à découvrir. Il y a moyen que je sois sympa et que je te trouve un truc intéressant. Parce que là bon moi je te trouve une bronze clay, une bronze clay. Ouais la clay c'est bien. Clay c'est de l'argile. Ouais c'est ça, une bronze clay. La clay c'est cool. Mais les clés c'est mieux. Donc si tu peux me trouver une clé à la limite, je dis pas non. Alors, non mais je t'ai trouvé une bronze key, tu vois. Ouais. J'ai pas l'impression d'avoir trouvé une clé. Mais j'ai trouvé un bouton qui m'a l'air quand même vachement sympa, qui mène à un passage secret, qui en fait nous raccourcit les chemins quand on meurt. Enfin pour moi en tout cas, pour là où je vais. D'accord, ok. Moi je vous ai déverrouillé un marchand du coup. Level 4. Désolé. Ah, joli, il faudra que je vienne. Oh là, on a passé à 36 coins en vrai là. Non, en vrai, on a bien bossé. Combo Nova, increase the Nova from 14 parts to 18 parts, and damage for 26 to 34. Ok. Tu kiffes ou non? Ça a l'air pas mal. Hein. il y a des oreilles directes, il a fait. Ah, j'ai mal au secours. Je crois que j'ai pas vu cette petite larme de sel couler le long de ta joue. dans la douleur là, la plus complète. Aïe. Oh, alors si je fais une Écrinox ici, hein, franchement ma vie est dégueulasse. J'annonce ça. Ils ont là tous lâché des petites piécettes d'or là, c'est mignon. Tu sais, il y a marqué un gros activated. Je sens pas, non? Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être formidable. Je suis en train de me faire casser la gueule parce que je suis là où il y a la plante, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ma vie est nulle. Ma vie est nulle. Ma vie est nulle. Je ne suis pas mort. Ah mais non, tu l'as tué l'autre con. D'accord, formidable. Ouais, je me heal à fond. J'ai claqué toutes mes thunes chez elle. Plus rien. J'ai claqué énormément d'argent aussi chez elle. Par contre, ça améliore bien le combo là. Pendant le sens. Ah bah tiens, un petit point de save, ça peut être sympa. C'est très sympa. Vu que j'ai nettoyé tout ce qui est à côté.
Y a plus rien là, va falloir descendre. Ah, si, là, y a des pots, là, tu as tous raté, là. Moi, j'ai besoin de thunes, hein. Tous les niveaux où je suis, j'ai besoin d'argent. Viens ici, d'ailleurs, viens sur moi. Viens sur Wom. Oh, j'arrive. Bouge plus. Oh, merci. Fallait que je me heal, donc je te heal aussi, hein. Et l'autre bouton, là, tu l'as pas enclenché de l'autre côté de la paroi, en fait. Oui, celui-là, il est enclenché. T'es sûr? Il a l'air visuellement pas enclenché. Je vais jeter un oeil. Ah, il est visuellement enclenché, visiblement. Statique maintenant! Voilà. Je pouvais te remettre un petit soin, mais bon. Visiblement, t'étais trop pressé. Bah, je me suis arrêté, tu m'as soigné. Ah oui, mais t'as plus besoin de soin, c'est moi qui ai besoin de soin maintenant. Je suis dans la souffrance, hein. C'est compliqué d'avoir beaucoup de points de vie, hein. Vraiment, tu sais, c'est pas évident tous les jours, hein. Ouais, je comprends un peu ta douleur, je sens en toi une sorte de... Ouais, c'est compliqué de survivre longtemps, tout ça, du coup je suis obligé de remonter, chercher une pomme... La suite se trouve en bas. 190 points de vie, je suis pas mal. Sweep. Ah, je peux acheter le combo timer 1. Makes it easier to chain combos by increasing the combo timer from 0.75 secondes toutes les secondes. Ah, ça rallonge le temps de combo possible. Ouais. Ah, c'est pas mal, c'est pas vilain. C'est pas mal. Je déverrouille. Ça régène plus longtemps, faire des dégâts plus longtemps. Si tu voulais me ramasser 250 balles de plus, ça m'arrangerait. Bah attends, je te le fais. Comme ça, j'achète tout de suite le combo 2 sans bouger du marchand. Je voyais l'argent monter justement. Tout seul, j'ai fait bon, bah on va attendre. Attends, je suis en train de me... Oh là là, attention, un gameplay formidable, juste pour vous, YouTube. Ok, attends, il faut que j'y retourne. Je t'ai fait tuer. L'argent n'évolue plus, là. Il faut que j'attende et tout, je suis déçu. Voilà, j'arrête de parler tant que tu n'auras pas trouvé l'argent. Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming. On se retrouve en compagnie de Knarfang pour une petite partie de Hammerwatch. Donc comme vous pouvez le voir, il est en train d'acheter du stuff. Donc c'est très passionnant. Donc bien sûr, il va dynamiser ce montage cette vidéo grâce à un montage de qualité. N'est-ce pas ? Alors je vais mettre un petit spawn point à côté de là où je suis, comme ça si je meurs au moins. Voilà. Tiens, ton argent elle monte là. Ah, formidable, merci. Est-ce que t'as senti ce moment de solitude extrême à un moment donné? Oui. Je suis senti dans le mal et tout. Incroyable. En train de raconter ma petite histoire. Ah, c'est cool. Du coup, bah, je vais te rejoindre. Bah, déjà, essaye de voir s'il n'y a pas un moyen pour choper cette fameuse clé d'or là qui nous intéresse. Ah, bah, écoute, j'ai regardé un peu partout autour, j'ai rien vu, moi, un perso. Hein. En gros, ce qu'il faut, c'est que je te chope une clé. Je peux choper une clé de bronze, bientôt. Enfin, d'argent bientôt, si tu veux. On peut pas naviguer sur notre map, non, on peut pas. Il faut... Parce que je sais que je vais bientôt pouvoir te choper des clés stylées, donc du coup, si ça se trouve, dès que je te l'ai chopé. Bah, il y a bien une porte or ici, mais il y a rien l'air d'y avoir derrière. Ah si, bah il y a un bouton derrière. Je pense qu'il faut ouvrir cette porte or. Ouais, pour débloquer l'autre clé d'or. Est-ce que tu la sens cette chantise maximale incoming? Bah, va falloir trouver une clé. Alors d'or. Toi, t'es par où? Il y a une porte bleue. Oui, c'est une porte de bronze, enfin d'argent. Tiens, d'accord. Vas-y, tu peux l'ouvrir. T'as trouvé une clé d'or? Non, une clé de bronze. Enfin, non, clé d'argent. Oui, non, mais bon, il faut que je te rejoigne pour ça, c'est de ton côté. Enfin, c'est plus de ton côté. Ah, ok. Je continue ma descente, attends, j'arrive. Bah, on fait quelque chose, ok. J'y vais. Oui, c'est ça, je fais quelque chose. Oui, monsieur, pour la vidéo. Si on trouve une clé d'or, faut qu'on y retourne. Plus de mana. Et je vais me taper 3 blobs explosifs, nul. Oh.
et bienvenue sur Canal YouTube Gaming. Attends, attends, je suis en plein fight. Maintenant, je suis en plein ramassage de thunes. Attention, c'est très tordu. La plante est morte, hein. Ah, là-dessus, t'es serein. C'est bon, on a tout ramassé, non? Des vieux schlagas, ça? C'est bon, on est refait. Okay. On est bon, on est solide. Bon, par contre, on a que des clés en cuivre et on en a pas besoin, quoi. C'est moche. T'en es sorti avec tes dagues? Ah oui, d'accord, moi je m'arrête au milieu, c'est pas forcément le meilleur de mes idées. Écoute, moi je vais aller à l'endroit bien relou, là. Je vais essayer d'aller à l'endroit bien relou. Heureusement que je suis un sac à pev, quand même. Hein. Un sac à pev? Ah oui. Eh bah écoute, on peut pas tout faire dans la vie, moi je sais courir. Moi pas du tout. Toi tu sais vivre. Alors vivre je sais pas, mais là ça me paraît très éphémère, hein, sur l'instant là où je suis. Ça me paraît un peu éphémère, vois-tu. Allez, éphémère jusqu'au bout. Oh, j'ai survécu. J'ai survécu. Le PGM, j'ai survécu. Oh, il faut à tout prix aller là. Hein. Oui, je te crois sur parole. Il a vu les deux gros diamants, il s'est dit ouais, c'est bon. Faut aller par là. Attention, il y a une plante. Hein. Ah, j'ai pris des dégâts de feu. Je vais mourir là. 800%. Ah, je vois la plante. La plante est en RTT, c'est bon. D'accord. Ah, j'ai trouvé une belle ligne, un beau rail si tu veux te faire de la régène. Je vais mourir avant. Je pense que je vais mourir avant. Ah. Si t'arrives à te rejoindre, tu peux te faire de la régène facile. Non, c'est bon, je suis pas mort. Viens sur moi que je te donne des points de vie là, t'as plus de pev. Ah bah allez, d'accord, j'ai plus de mana. Tiens, là tu te fais la... Ah oui, d'accord, ouais. Ok, vas-y, on s'arrête mid. On s'arrête mid. Voilà. Je nous mets tout. Oula, mage. En plus, c'est la tête chercheuse, là, ce petit zouave. Je suis en régène, je suis invincible, quasi. Allez, arrête-toi. Oh, ça picote un peu, hein, derrière les oreilles. Hein. Je te cache pas que c'est douloureux. Descend un peu parce que j'ai quasi tout nettoyé ici, donc j'aimerais bien tout finir. Allez, faites-moi ce caillou. Paf, coin vendeur. J'ai repris un coin, ça fait plaisir. De la thune, de la thune. On est parti sur bonne nouvelle. T'as activé un checkpoint. Non, j'ai surtout trouvé la clé d'or. Oh, ah oui, t'es parti sur une. Nouvelle de type bonne. Attends, j'arrive pour la magnifique salle du coffre. En plus, j'ai activé un passage du coup, en même temps. Ouais, tu m'étonnes, c'est cool. Et là, on va pouvoir se faire ce truc maintenant. Reste statique. Ouais, c'est bon, t'avais plus besoin de plus grand chose, mais bon, voilà. C'est déjà ça que je te rends quand même. Ouais, c'est déjà ça, hein. Le boulot du clair, en attendant de pouvoir m'acheter la compétence à un level monstrueux. Je pourrais peut-être d'ailleurs m'embêter à revoir un marchand pour racheter un niveau de combo ou un truc comme ça là. Tant qu'il y a la mise 4 ici là. Ah non, il me manque un petit peu de sous pour m'acheter le combo attends, Nova 4. Il t'en faut combien? Il va me falloir 100 balles, 110 balles. 110 balles okay. Ou 100 balles. Tu sais quoi, j'essaye d'aller à un endroit. Si ça marche, j'ai les sous, c'est ça? Et l'argent. Tu cherches à atteindre les diamants? Oui! Tu les as eu? Mais c'est impossible! Comment ça? Bah, il y a des pics et faut survivre à ces pics. Ah, bah dis-moi où c'est, j'arrive. Bah, là où je suis, sur la carte. C'est parti, à l'aventure, compagnon. C'est une mission pour une caisse à points de vie. Tout le monde le sait. Oula, en fait, j'ai remodifié un checkpoint, donc réactive ton checkpoint avant de mourir. C'est pas grave.
C'est-à-dire qu'il était sur ton chemin, donc il sera rapide. En gros, faudrait qu'il y en ait un qui se mette pour bloquer les piques et l'autre qui rush. Je crois pas que je peux les bloquer de face. Attends, je teste. Ah non, d'accord. Ok. Il est bloqué comme ça. Oui, bah je savais pas qu'il me venait dans le dos. Je pensais qu'il venait d'en face. Ah, ok. Bah écoute, je vais retester de face. Attends, j'arrive. Ah, ça débite en continu, quoi. Non, ok, d'accord, je les arrête pas. Je les prends. Ouais, mais si on arrive à le faire suffisamment rapidement pour que je puisse parcourir toute la distance... Je me demande si je devrais pas y aller en dash. Maintenant que je suis full life, tout le bazar. Ah, les dash, là! C'est bon, j'y suis. GG. Alors, par contre, il pleut de la thune, hein. Alors, j'ai ouvert un premier couloir qui, normalement, devrait te raccorder à cet endroit. Ah oui, je vois. Par contre, si j'ai trouvé une planche. Ouais, c'est un truc, je sais pas à quoi ça sert, mais j'en ai déjà trouvé plusieurs. Et j'ai activé un autre secret. Classe. Avoir cherché parce que j'ai vu qu'il y avait un truc sur le côté. Bon, j'ai essayé de faire le malin avec l'autre côté. Au lieu de prendre le couloir. Oui, je pars pas du tout, mais pas du tout du bon côté. Par contre, vu que je suis là, bah, je vais aller voir la marchande. Direct. Ah, vraiment, il y a de l'argent. Hein. Les 5000, ça fait plaisir. Y a un peu de thunes, hein. Ah oui, 3003. Ouais. Je suis remonté à 3003 alors que j'étais à sec, quoi. Non, voilà. Oh là là, tu veux pas trouver 100 balles, là, vite fait? Ouais, 104 pièces d'or, s'il te plaît. Ou ouais, un gold coin. En gros, je sais peut-être où en trouver. J'avais vu des passages en haut. On va essayer de les atteindre. Avec pas révéler un secret, il y a peut-être un truc maintenant. Oh, bon, bah, on repassera plus tard. Allez. Putain, en vrai, c'est pas important. Oh oui, j'en ai trouvé. Attends, je vais pouvoir te le faire. Ah, ok. Bon, bah alors, je vais aller la poncer comme ça. Il y aura plus grand chose à prendre chez elle. Merde. Tu es mort de décès, non? C'est inaccessible. Ah non, c'est bon. L'argent rentre. L'argent! Oui! Oui! Plus d'argent! Il me faut plus d'argent! Oh, tu prends des dégâts, toi! Et en plus, il y a une madame arme, genre qui t'améliore les dégâts. Ok, alors je me casse d'ici, c'est l'autre qui m'intéresse. Je préfère les armes. Ah, par contre, je vois pas du tout où t'es. Ouais, il y a de la pièce bien dorée là, c'est vraiment, on n'est pas sur de la bronze. Genre, pelu de pognon, genre. Ah ouais, là, on est sur du pognon et en plus des passages. Qui se révèle. Okay. Ah oui, je vois où t'es, ouais. Je vois ça. J'arrive. Et une vendor coin. Une qui vend un coin, un golden coin, c'est ça? Un gros coin là qui te. Ah oui, d'accord, il y a un gros coin qui traîne, quoi. Fais voir à quoi ça ressemble. Faut appuyer sur des boutons, c'est ça? Je vais ramasser, c'est la vendor coin de d'habitude. Et elle est accessible, madame là, ou? Ah oui, ça s'appelle la technique du. Je cours. Je me raccroche à la vie. Ah oui. C'est dangereux, hein. Alors. Increase charge range, je peux. Ah oui, je peux. Arc, mais j'ai pas d'arc. Pourquoi sport arc 3? Ah si, c'est. Oui, d'accord. Ce moment, 180 degrés. Ah oui, d'accord, je touche sur plus large. Ouais, l'angle est déjà pas mal, hein. Bon, allez, tant qu'à être là et avoir raqué de ma vie. Attends, est-ce que je peux faire mon pouvoir, madame? Ah! Non. Bon. Et ici. En gros, cette vitesse. C'est moi, t'as ramassé le cristal. Attends, y en avait d'autres. Il y a d'autres trucs pour soigner là. Là-haut. Voilà. Ouais, t'es quasi full. C'est pas mal. Ouais. Il y a une pomme, je crois, qui traîne en bas. Tiens, mais... une autre mission pour toi. Ouais. Oh. Est-ce que tu vois le chemin des enfers? Je le vois bien, c'est parti. Ok. Les dégâts que ça fait, mon gars. J'ai 280 points de vie, hein. C'est intéressant. Je pense qu'il faut pas passer par là. C'est-à-dire que je pense qu'il va falloir aller à un autre étage, on débloquera peut-être un truc et... C'est possible. C'est fort possible. En même temps, là, on a trois portes qu'on a débloquées. Hein. Enfin, trois portes. Une porte. Il y a une porte qu'on a débloquée. Ouais, pour monter. On va s'y rejoindre.
Ouais, parce qu'on voit pas à l'autre bout ce qu'il y a du coup. Non, tu vas dans l'autre sens, c'est l'autre sens. Non, mais je voulais voir si on voyait à l'autre bout ce qu'il y avait ou pas du tout. Non, on voit rien du tout. Hein. Faut s'engager dans le couloir. Ouais, je vais essayer d'y aller full dash, mais j'y crois pas là. Ouais, c'est ça. Full dash, j'y crois zéro. Du coup, toi, tu es sur cette porte-là. C'est celle d'où on vient ou c'est celle où il faut aller? Non, ça, c'est une autre. Okay. L'étage 9, on n'y est jamais allé. C'est parti. Je non, là, t'es passé du mauvais côté. La carte, c'est pratique, hein. Ouais. Putain, où tu connais pratique dans cette carte. Surtout que t'es passé à côté de moi. Oui, je suis bien passé à côté. Nickel. Allez, plus de pognon. Me lâche de fric. Oh, une clé de bronze dès le début, ça fait plaisir ça. Là, je rame comme Jaja. J'ai trop d'argent. Non, je rame parce que c'est le nouvel étage, ça doit charger pour toi, c'est horrible. Horrible, horrible. Moi, je sais pas, moi j'ai pas de lag. Oula, je me suis parti sur un... Je me fais enculer. On va survivre. C'est compliqué. Hein. Faut que je l'augmente, hein, mon heal. Vraiment. Vu que j'ai une petite plante à côté de moi, si je me fais chier, je ne sais pas d'où. Ah bah je viens de la trouver, faut que je la rejoigne maintenant. Parce qu'en plus elle a décidé d'être bien loin. Je vais me saouler, c'est le truc à rush en fait. C'est chaud, c'est sport. Ok, on survit ouais, quand même. Une grande porte de bronze, mais genre la seule chose qu'elle fait, la porte de bronze. Ah, elle donne pas accès à un passage secret. Ah, si, c'est bon. C'est parce qu'il y avait une énorme porte de bronze et elle servait à rien vu qu'il y avait le passage juste à côté. Ok, elle cachait une bibliothèque. Et du coup, t'as réussi à ouvrir le truc. Mais c'est pas un passage, ça d'ailleurs. Quand... Ça d'ailleurs, là où je suis là. En fait, ce qui se passe, c'est que des fois. Ils te font des petits pièges, t'as une porte de bronze qui sert à rien, ouais. T'as le passage juste du côté. D'accord. Et en fait, la porte de bronze, elle te bloque une bibliothèque, et la bibliothèque, en fait, c'est un passage secret. Je vois tu veux lire. On te fait croire que c'est qu'un simple et vulgaire raccourci, mais en fait, pas du tout. Je me suis servi d'une clé, hein, désolé. Ah non, c'était vraiment même pas un raccourci, c'était même pas un raccourci, il y avait rien de raccourci, en fait. Oh là là, le nombre de pièces. TP-toi ici, le mage. Et ici, le mage. Hop. Ton move était insuffisant, mage. Si tu avais été un paladin, tu aurais survécu. C'est tout ? Eh, ramenez-vous, les bolos, là. Ramenez-vous, tous. Les bolos ? Voilà. J'ai éclaté l'œil parce que je suis un peu jumeux, bien sûr. Oh là là, il y en a partout! Les rayons de ces plantes, quand même. C'est grave chaud. C'est grave saoulant, surtout. Oh, allez, vas-y, un million de merde qui explose là. Allez, vas-y. Je crois qu'on est qu'en facile en plus. Non, on est en normal, j'ai vu. J'ai vu qu'on était en normal. Ah, oui. On a quand même eu un minimum de... On a eu un peu de décence, un peu de respect envers nous-mêmes. On avait décidé de mettre ça en normal puisqu'on pouvait respawn à l'infini. Mais là, j'avoue, les mecs en hardu, là, ils transpirent. Hein. Ils réfléchissent chaque move. Ça doit être ceux qui jouent en hard sans respawn. Bah c'est ça. En hard sans respawn, tu réfléchis à chaque move. Hein. Chaque mouvement, il est réfléchi. Hein. Ah, déjà, je pense que tu joues pas voleur et ça doit être une team full paladin, un truc du genre.
Ou en tout cas des mecs qui font des gros dégâts et qui... Ah, tu fais des gros dégâts, toi, hein. C'est juste que tu heal pas, mais tu fais des gros dégâts, hein. T'as un gros DPS, hein. Ah, il me faut une clé en or pour aller péter cette plante. En fait, je frappe très vite, donc du coup, je fais beaucoup de dégâts à la suite. C'est ça. Et puis tu bouges vite, donc difficile de t'arrêter aussi. C'est un paladin, c'est long, hein. On voit bien que là, sur les trucs, les mobs qui explosent, le move, c'est pas ça. Ah bah gros, y a une map de survie comme ça dans le jeu où du coup t'es vite à... au fur et à mesure que tu bats les différents boss du jeu et tu débloques les banabs au fur et à mesure que tu bats les boss. Et à la fin, en gros, le voleur vraiment il va à une vitesse. Je pense que c'est tout l'intérêt du veau. On va essayer de voir s'il vient jusque là. Il prend du risque. Mais plan. On va se la faire vite. Et voilà, on se fait la plante. J'étais déçu par cette plante parce que généralement d'habitude il y a un vendeur coin. Pas toujours. Un peu gourmand là. Mais la plupart du temps à côté d'une plante. Je prends ma douille. Ouais, c'était une porte inutile celle-là, c'est encore une porte vraiment de la. Je t'arnaque sur les clés de bronze. Oh, je vais faire passer secret et qui a l'air cool en plus. Je dirais même plus, ce passage secret amène à deux madames. Qui est très intéressant. Il est au-dessus du cool. Plus de points de victoire, la bestiole, je m'en bats les couilles. Vendeur coin dans une plante. Ça me fait plaisir. C'est mon cadeau pour toi. C'est vrai, bah c'est cool. Surtout que j'ai trouvé vraiment ce qu'on appellerait la maison de la richesse. Ah ouais, t'as trouvé moult pognon empilé au même endroit? Non, mais j'ai trouvé des madames. Oh gros, je suis tombé vraiment sur le pire combo de cet univers. Ah merde, je me trompe de truc. Je suis mauvais, Jack. Et en plus, j'ai pas de points de respawn à proximité. Je me déteste. Oh, je suis tombé sur un général non-œil. Avec 3 milliards d'yeux. Ça poussez-vous les uns les autres. Et un spawn œil. Ce nombre de morts à la suite. Oh, j'ai pas de point de vie, je suis dans la merde. Bon, ok, j'ai pas de pev. Je vais être obligé de faire une petite pause. Une petite pause. Une petite pause de la souffrance. Oh, j'ai trouvé une vendor coin. Nice. Alors, madame défense ou madame magie? Hein? Il serait peut-être temps que t'aies quelques points de vie, toi. Tu puisses encaisser un peu. Ah bon, on va prendre Madame Armure du coup. Voilà. Ah, quoique Madame Magie, elle avait un boîtier à côté d'elle. Comment ça? Elle avait un coffre. Et il t'apporte quoi le coffre? Bah, de l'argent dedans. Ah d'accord. Ok. Bon bah, tant pis, j'ai pris Madame Armure. Qui m'a donné une nouvelle compétence. Faudrait que tu lui débrouilles avec quoi comme clé? Quoi? Avec des clés d'argent. C'est-à-dire que si tu trouves une autre clé d'argent, on peut déverrouiller Madame Armure. Enfin, Madame Magie. Je vais mourir ici. Et j'ai obtenu mon sort le plus puissant. Ah, t'es à proximité. Ah ouais, là je suis pas loin. Pourtant, il en reste des trucs à déverrouiller. Oh putain, ça fait du bien. Oh, la régène de pev, ça fait du bien. Oh putain. Genre une souffrance extrême. Par ces bouboules. Ah, par contre, t'as tué un truc, mais t'as oublié d'activer un bouton. Ah bah, je suis désolé. Pas de soucis, je suis repassé derrière. Ouais. Il est encore vivant le mec ici, la plante, non? Non, la plante est morte. Oh nice! Oh ouais, nice. Oh nice, c'était bon ça.
Ça, ça faisait du bien. Ça, c'est un passage inutile, donc on s'en fout. Là, c'est juste un raccourci à la mort moelle-meu. Ah, j'ai trouvé une autre clé en bronze là, pas très loin. Oh non, non, je passe pas par là, non. Non. Ça a l'air trop cool, attends, viens, je viens. Débrouille-toi, j'ai 139 points de vie, j'ai pas de points de respawn, débrouille-toi. C'est bon, je l'ai désactivé. Ah non, c'est un autre truc que j'ai fait. Je croyais avoir désactivé le barzingue, mais non. Toi, tu vas assez vite, moi je suis tellement lent. Ce genre de point, je peux pas passer. Je me suis pris énormément de dégâts quand même. En vrai, ça va. En vrai, ça allait. Ah mince, j'ai pas eu le temps de marcher sur le point de feu. I'm coming. Mother Fuka. Ouh, joli combo. Merci monsieur. Et le joueur français ne s'arrête plus. Il pourrait arrêter comme d'habitude gaming, personne ne le sait encore. Le joueur se déchaîne contre l'ennemi. Les combos qui n'en finissent plus. Trouver des trucs hein. Plaisir. Et une bronze caille. Ça c'est petit bonus. Ah, t'as pas mal d'argent quand même, hein. Monsieur il est riche. Hein. Ah ça commence, hein. Ça commence à rentrer. Hein. Ah bah quand tu regardes à côté de moi, moi qui suis allé voir Madame Bouclier, ça m'a mis en PLS. Ok. Ouh, par contre ça touche le passage secret moi. Hein. Ouais. Il faut encore trouver deux boutons et on est pas mal. Hein. Et je viens de trouver un portail vers une autre dimension, faudra trouver un dernier truc, faudra réussir à activer le passage secret et ça pourrait être cool. Il part là le passage. Ça me l'a ouais, pas ouvert. Généralement vers la dimension plein d'argent là. Ça me l'a pas trouvé. Attends, il est où le passage là? Connaissez-vous un passage? Il doit y avoir un passage qui mène à cette clé là. Ah, il se prend de l'autre côté, je pense. Je suis un connard, je me plante de boutons. Bien fait pour moi. Plante vivante, je suppose. Ah non, la plante est morte ici. Intéressant. Ah, ça, c'est peut-être moi qui ai fait n'importe quoi. Ah non, 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 elle est vivante. Ah, okay. Juste que j'étais encore un petit peu trop hors de portée. Hop, petite esquive, petite esquive, et là, maintenant qu'on a bien paqué. T'es prêt pour les combos de l'infini? Pokémon massacrer les tous? Oh, la plante. La petite plante. Combo de l'extrême. Allez, c'est fait. On va sortir. Oh, il m'a enculé le truc. Ah, mais ça faudrait que je le casse peut-être. Avant que ça me fasse popper une merde. Je trouvais un gros bouton, j'appuyais dessus. C'est vraiment une idée. Vraiment, c'est un concept, il y a un passage. Je sais pas ce que ça a ouvert, mais ça l'a ouvert, dis-toi bien. Je pense. C'est beau. Je pense savoir où c'était, mais bon. Je tape dans tous les murs comme un vieux demeuré. Voilà. Ouh, il y a une vendeur coin à côté d'une machine de potions. Hop, nouveau point de sauvegarde. Elle est où la plante? Elle est là. Oh, il lui restait plus qu'un fèvre. Je l'ai éclaté tellement vite. C'était beau. Fais-moi la paix! Fais-moi la paix! Aïe!
Oui, aïe, oui, oui, oui. J'ai trouvé un autre bouton. J'ai appuyé dessus. Par inadvertance, hein. Je jure, hein, c'était un accident. J'ai pas fait exprès. Bonjour, monsieur, c'est pas moi. Monsieur l'agent. C'est pas moi, monsieur l'agent, c'est la situation. Une clé en or! C'est mon cadeau. C'est quasiment cool. Ils sont là, les yeux, là. Voilà. Afin de Secret Area. Secret Area. Dans laquelle il y avait une anque, donc une vie, qui nous sert donc à rien, évidemment, puisque nous avons l'Infinite Life. C'est beau. C'est magnifique. Vraiment, je suis subjugué par toute cette puissance. Incroyable. Mais vrai. Oula, bombe. Alors là, on voit la magnifique Madame épée. Entourée de... Il reste quoi là dans le coin là? Ah, il y a des gens par ici. Il y a des saloperies de mobs. Ah, vraiment, je suis parti sur une... Je deviens riche. Vendor coin. T'as trouvé, visiblement. Ouais, en effet. GG. Merci. Alors, fervor de... Oh, il y a un petit increase damage. C'est pas mal, ça. Ah, Madame Combo, si t'es intéressé. Je suis intéressé par un nettoyage de donjon. Nettoyage de donjon infini. Ouverture d'une porte en bronze. Je crée absolument partout, je ne sais pas comment les ouvrir. Bien chiant tout ça. Ah, va falloir monter, je sais pas où. C'est à l'étage 8. Faudra réussir à rejoindre cet endroit. Ça a l'air d'être rentable. C'est parti. Oula, par contre, je vais peut-être crever ici, moi. J'ai mangé. Le bordel ? Ouais, un petit peu, ouais. Oh ! C'est plutôt qu'à nettoyer, c'est moi. Bon. C'est clean, c'est clean. Je suis à fond, je suis à fond. Je bouffe toute ma mana, ça le fait. Vraiment, je suis arrivé, j'ai fait bonjour. Ah, il y a une plante avec une vendor coin. C'est là mon objectif. Et voilà, j'ai ma fumée qui stun l'adversaire. C'est mon ultime. Ça fait de la fumée, c'est magnifique. Ah. Vraiment, elles sont toutes pour toi là. Ah, un petit puits, ça fait toujours du bien. Et une clé d'or. Reste statique. Ah mais t'as pas besoin de points de vie, j'ai rien dit. Ah mince. Continue à vivre ta vie. Avec amour. Et solitude. Ah oui, bon, ok, si tu veux, avec solitude. Non. Capitale de Skyrim. On le veut quoi. Ah bah je crois que j'ai vu un bouton qui pourrait être pas mal. Ça je l'avais pas vu. Je meurs si je traverse ça, j'annonce. Bah moi ça s'est bien placé, écoute. Ouais, bah tant mieux pour toi. Moi je peux pas le traverser. Ah, je suis obligé de le traverser là. Oh, vraiment. Non bah attends, je vais peut-être trouver un... Ah non, attends, on a des gold clés, je fais le tour, je fais un grand tour hein, par contre. Hein. Je fais un tour, je serai là dans 20 ans. Promis, dans 20 ans j'y suis. Ouais, il y a une porte or vers le début, très loin. Je vais essayer de ne pas activer le truc de sauvegarde, voilà. J'espère réapparaître à 800 km. Voilà, j'y suis. D'huile. Ah bah d'accord, cette plante du coup est encore vivante, évidemment. Je n'ai pas de point de vie, au secours, ma vie est nulle. Oh
Oh, j'ai trouvé la fameuse clé de bronze, enfin de clé d'argent pour notre autre sorcière. Parfait. GG. Du coup, du coup, je peux passer par là maintenant. Ah, c'est un mur. D'accord. Je viens de découvrir un mur avec des pics machin. En fait, je pensais que c'était une plateforme. Youpi. Bon, bah, je vais refaire le grand tour parce que je suis une rase. Allez, c'est parti. La musique épique. Ah ouais, t'as un grand tour à faire, c'est joyeux ça. Ah ouais, je te dis, je m'éclate. Hein. C'est même plus qu'un grand tour. C'est pour ça que je te garde le point de sauvegarde pour toi là. Ah ouais, c'est un beau ça tour. C'est là. Bon, c'est mort. Moi, je vais aller vers l'autre sorcière pour aller lui dire bonjour un coup. En plus, ça a l'air d'être. Et moi, dans le game, tu t'appellerais pas Crésus? Pourquoi? Parce que j'ai un peu d'argent. Ouais. Non, on m'appelle Mister MV, parce que j'ai un peu d'argent. Non, excuse-moi, Zerator. Plus d'argent. Oh, j'ai activé un passage, j'ai raconté un coup. Ça fait des grosses combos, là. Ah, grosse pomme dorée, légendaire dorée. Ah, j'ai probablement activé un truc. Hein. C'est vrai, bah tiens-toi c'est... prêt. J'ai vu un bouton. Je vais dessus. Pas rapide, hein. C'est vitesse paladin. Voilà. J'ai trouvé l'accès au boss visiblement, ou un des sauts des boss, du boss. Je sais rien. Enfin, un truc. À... Ah, c'est une histoire de boss. Il y a quoi? Ça ressemble à quoi exactement? Il y a une porte rouge avec un accès au bout. Bon, bah, c'est un accès au boss. Alors, et d'abord, on va découvrir toute l'argent de ce monde. Ouais, y a pas que ça. Hein. Là, je fais le tour. Faut que. Ah oui, oula, 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 oula. Ah ouais, je l'ai vu, ta fameuse porte. Je vois de quoi tu parles. Ouais. On peut pas accéder à ces marchands. C'est parce qu'on peut accéder par là pour aller à ces marchands. Bonjour, madame de la défense. Armure. Je peux réduire les dommages. Intéressant. J'ai rien amélioré. Je n'ai jamais rien amélioré. C'est dommage. Parce en défense. Vraiment, ça te baisse vraiment la défense. Tu te fais. Oui. Tu te prends beaucoup moins de dégâts. C'est vraiment cool. Mais je pense qu'avec ma montagne de pognon, ça va aller dans ce marchand. Hein. D'accord. C'est un voilà. Investissement à long terme. Ouais, là c'est bon. Là déjà ça va mieux. J'ai plus de thunes, ouais, mais. Donc, maintenant t'es immortel. Je suis pas immortel, mais disons que j'ai pris de la marge d'erreur quoi. Ah, mais il y a un vendeur coin là-dedans. Comment, ouais, la... mais je sais comment pas y comment accède le par contre, j'en ai un autre, attends. Vendeur coin. GG. Putain, j'aurais essayé de le choper avant quoi. Ah, un machin avec un œil là, quelque part. Ou même un bouton qu'on n'a pas activé. Attention, parce que moi à travers le mur là, je vois qu'il y a un grand couloir en fait derrière. Ah bah alors quand je fais mon sort, je vois à travers les murs en fait. Je fais mon sort de soin. Essaye d'aller tout en bas pour que je cheat. Ça va être juste en dessous là. Par contre, comment on accède à juste en dessous là? Il faut passer par là. Essaye de frapper un coup. Non, il faut accéder par là. Donc, faire un grand crochet pour y aller. Comme d'hab, hein. Comme tout dans ce jeu d'ailleurs. Tout fait 15 km de long. C'est là. C'est le seul désavantage. C'est là. Mais c'est là. C'est là. Mais ta mère, c'est là quoi. Tu vois ce couloir? Couloir de ses morts. Bon, je pense qu'il faut qu'on l'ouvre. C'est verrouillé, faut l'ouvrir. Faut trouver le petit bouton caché. J'avais vu des mobs. Encore. As-tu tout détruit? Oui. Bah écoute, faut chercher les passages maintenant. Il nous reste quand même 3 clés de bronze, donc si ça se trouve, c'est un passage qui est caché derrière une porte de bronze. Tu vois, genre. Alors, il y avait une porte de bronze par là, ou par là où, je ne sais plus. J'ai vu un petit passage en bas. Écoute, de toute façon, on va fouiller parce qu'il reste plein d'argent et... Exactement.
Attends, j'ai vu deux gros diams qu'on peut pas encore récupérer, faut trouver comment les récupérer. Hein. J'avoue. Une petite sauvegarde. Comme ça. Allez, j'ai fait un passage ici. Oh, c'est génial. C'est trop yambe. Donc là, il y a un autre vendeur, ok. Là, il y a une porte de bronze. Car vu qu'on a des clés d'avance, c'est qu'on a tout ouvert. Ça, c'est pas entièrement révélé. Là où j'arrive, c'est pas entièrement... Ah, parce que c'est du marchand inaccessible de type inaccessible. Ah oui, d'accord, c'est ça, les fameux diamants dont tu parles. Tiens, je vais prendre le point ouais. de sauvegarde, juste pour te faire chier. Je suis un gros connard. Oh. Ah. Pareil, il y a un endroit avec un portail, j'aimerais bien pouvoir y accéder. Hein. Ok, on peut pas. Ici, t'as une vendeuse de level 3... Il a l'air d'y avoir de passage dans les murs. Il y a du gros marchand pourtant. Hein. Allez go, je fais le tour. C'est parti. Écoute, j'ai un endroit très intéressant, faudrait que tu viennes. Alors, sauf que le truc, je ne sais pas... Oui, si, je devine à peu près où t'es. S'il y a une flèche vers toi. Je veux dire, je sais pas où tu es, mais en fait, si, je vais savoir où tu es, il n'y a pas de souci. Je te localise. Je te géolocalise d'ailleurs. Je me mets un dingue. Sinon tu peux mourir. Putain, et j'avoue, il y a des thunes partout. Tiens, regarde, tu vois, ce gros portail, il faut à tout prix réussir à le prendre, ça va rapporter du fric. Ouais, je suis d'accord, mais tu veux qu'on passe par où, là? Par les dalles de... Hein? Non, par... non, on peut pas, mais il faut trouver un passage. Et là, regarde, t'as aussi des thunes. T'as pris le point de sauvegarde, ici? Ouais. Ok. Faut trouver, il y a un passage à un endroit, il y a un truc à activer. Regarde, ce Vendorcoin, il m'a l'air génial. Elles servent à quoi toutes ces plateformes là, du diable à enflammer là? Elles servent à rien, c'est un vieux piège à la con, c'est ça? Ouais, c'est tout, je crois. C'est tout ou c'est pas tout et tu ne veux pas tout me dire? Bah non, mais j'en ai pas la moindre idée. Je pense toi, que... Par exemple, cet endroit là, ça a l'air grave rentable. C'est bon, j'ai trouvé le bouton au milieu de la plateforme. Il nous en manque encore un. Attends, je me soigne déjà. Je me soigne parce que déjà j'ai pris le tarif. Déjà j'ai pris le gros gros tarif. Et t'es où ton bouton magique? Bah sur les plateformes de feu, contre un mur. Je te sentais bien comme ça. Et je suis sûr qu'on doit pouvoir passer entre deux bibliothèques là. Je pense que ça se fait. Il doit y avoir un autre bouton quelque part, mais je crois pas qu'il est là. Parce qu'après c'est des... C'était bien, bravo. J'ai essayé. Ah j'ai plus de... Mais oui j'ai plus de mana, je suis un connard, évidemment. Et ah bah et tout ça on l'a fait. Ça on l'a fait. Où est-ce que ce serait caché? Je sais pas, encore une technique avec une plateforme à la con. Hmm. Reste dans la zone, cherche un autre endroit. Cette différence de nombre de morts. Quoi? Cette différence de nombre de morts. Ah t'es mort beaucoup de fois et pas moi, c'est ça? Ah t'es mort pas mal, mais moi vraiment... Ah oui, d'accord, oui, c'est du simple au double, quoi. Je suis pas sur des petites. Eh bien, écoute, moi, ce que je propose, c'est que pendant qu'on cherche, on dit au revoir à ton tube, parce que là, on est en train de les emmerder avec un let's play beaucoup trop long, comme d'habitude. Ça dirige bien, gaming. C'est okay. Bizarre, mais je m'y attendais à peine. Je viens de ramasser une pièce d'argent, voilà. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, sur ce, des bisous, YouTube, on va chercher en off, ouais. Tranquillement. Attends, j'ai trouvé un passage. T'as trouvé un passage? Oh mais c'est incroyable, la qualité de cet homme. Je suis dans un tunnel invisible. Alors, oui, mais encore. Dans lequel je suis bloqué, on ne peut rien faire. Alors attends, j'arrive vers toi, don't panic, be happy. Keep talking and nobody explode, ok? Garde ça en tête. Ah oui d'accord, ok, tu étais dans ce mur là. Non, c'est de l'autre côté, il faut que tu fasses le tour. D'accord. Ah oui, il y avait une vie là-dedans. Il y avait une vie là-dedans. Il y avait une vie. C'est celle que j'ai récupérée. Ouais, c'est celle que j'avais récupérée. Par contre, reste statique 5 secondes. Oh, merci. Voilà. A fuel for life. Voilà. Ok, bon, bah faut essayer de trouver des passages, des trucs comme ça. Hein. Parce que vu tout l'argent qu'il y avait, on peut pas se permettre. C'est clair. On appuie sur les boutons, moi dans le doute, hein, je remâche sur tous les boutons. Moi dans le doute, j'essaierai de descendre un coup en bas pour voir s'il n'y a pas un truc, parce que j'ai vu qu'il y avait un escalier au fond.
Genre si tu regardes tout au fond, il y a un escalier. Tout au fond, il y a un escalier. Oui. Bon, je vais retourner pour te montrer. Tiens. Suis-moi. Tiens, viens ici, que je te remets un petit coup de life. Un petit coup de... Bravo. Merci, très cher. Viens ici. Sans t'en prendre. Et tu vois, il y a un escalier. Il y a un escalier. Ah oui, 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 tout à fait. Yes. Je pense qu'en essayant de redescendre à l'étage du dessous et en trouvant un passage en bas, on peut réussir. Oh là là, mais faut dire au revoir à YouTube. Ah oui, au revoir YouTube. Tout à l'heure, à la prochaine, peu importe, un autre jour. Des bisous.